La leçon de Jamorant. Le cross jab. Morant with a running start. Element. Oh, it dunks. Oh my goodness. Le joueur doit reculer pour prendre de la vitesse. Attaquer le défenseur en vitesse. Réaliser un dribble en cross et quasi en même temps, planter le pied dans la direction opposée au cross. C'est ce que l'on appelle le jab. Bien mettre les épaules en avant et pousser le ballon vers l'avant. Avec un mouvement de balancier, enlever le bras du défenseur. La finition, par contre, est laissée à votre choix. On revoit le mouvement. Prendre de la vitesse, cross, jab et attaquer. Le cross jab, les coaching points. Prendre de la vitesse, réaliser un dribble en cross rapide. Et enfin, la fan de pied, que l'on appelle le jab step. Planter le pied dans la direction opposée au cross.